Route du Rhum 2014. Il n'a que 31 ans, s'aligne pour la première fois au départ à Saint-Malo, mais il ne lâchera jamais la tête de la course. François Gabart est l'homme qui, 2 ans plus tôt, a remporté le Vendée Globe. C'est avec le même monocoque qu'il rallie la Guadeloupe en 12 jours, nouveau record dans sa catégorie. Pendant 10 jours, t'es à fond, tout seul sur le bateau, avec tout ce que ça représente. La mise en scène est juste géniale pour se découvrir, apprendre plein de choses, et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que la Route du Rhum, pour ça, elle est belle. Il navigue désormais sur multicoque pour continuer d'écrire sa légende, François Gabart.